J'entends déjà l'été malade. Alors que je me suis jamais senti aussi bien que depuis que la planète est malade. Plutôt tomber malade qu'écouter vos médecins. J'ai le côté grinçant de mes articulations et l'articulation d'un malade. Je sais très bien que le fait d'être vacciné les empêchera pas de nous faire passer pour des malades. Suite, c'est bon vivant, le vivant moyennement bien. Les accès grossissent en alexandrin et sans respect qu'envers le peu de loi qu'il enfreint. Si on est ce que l'on mange, on peut dire tu es en pain. J'avais à peine 20 balles et qu'on m'appelle ancien. Voilà l'engin. Avec un Vario en 3S de chez Connect, le petit récepteur, la batterie 3S, le bac. Bon voilà, vous avez pu voir en image, la voiture elle est super belle. En l'état là, aucun essai n'a été effectué. Elle est super belle en tout cas. Wow. Ah là là, c'est pas le bâche d'avant quand même. 0 à 100 en une seconde sans de la veine. Bon, salut à tous. Premier essai avec la machine. Alors, ça va pas être facile. Je suis à une main. Et dur à dire les sensations quand t'es à une main. C'est bizarre, hein. Bon, en tout cas, là, elle se comporte super bien. Pas de bruit chelou. J'ai fait quelques petits sauts pour la vidéo, là, vite fait. Ça s'est bien passé. Donc bon, on continue. Alors, ceux qui sont venus pour que je la marave, c'est pas possible. Parce que... Ah, j'ai mis trop de cœur dedans, là. C'est joli. Je trouve un super petit moteur pour du 3S. Et les biellettes de direction, par exemple... Eh bien, le plastique était tellement vieux que elles ont pas tenu rien qu'au montage. Donc j'ai dû mettre des biellettes de direction, j'en ai mis des Traxxas là, parce qu'elles sont pas trop mal. Et elles sont même super bien hein, pour des modèles comme ça. Jean-Michel Cadrage est aux commandes. Oh baby! Putain, en plus j'oublie de filmer, tu sais. Fuck, motherfucker. Je t'ai fait un slide. Oh! Oh, fucker! À quand les triples backflips? Hey Romain, tu filmes le sol. Non mais c'est trop dur les gars. Je suis vraiment désolé. Hein. Tenir à la main, c'est nul. T'as pas le droit de me faire ça. Rayer ma carrosserie. Par contre, je sais pas comment je vais faire pour... Putain, je voulais faire du pump track et tout. Ça va être trop chaud. Faut m'habituer et tout. Bon. Elle doit être super marrante en pump track. Mais pas une main. À une main, je pense pas qu'elle soit marrante. Elle est dans l'eau direct. Arnouche et Lyric, va falloir sortir les WL Toys. Encore une fois, je m'excuse de la... Aïe, 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 aïe. Je peux pas conduire et filmer. Impossible. Comment je peux faire ça? Deux minutes, laisse-moi prendre en main. Voilà. Ah non, pourquoi j'ai la carrosserie qui s'est barrée? C'est pas bon signe ça. Tu vois, c'est un système comme ça là.
Et la vis, elle passe au travers, en fait. Faudra que j'y pète une rondelle. Mais du coup, retour à la maison, quand j'aurai que ce truc de la pine, là. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé. Pourquoi j'y ai pas pensé, Romain ? Bouge pas, j'ai le coup de main maintenant. Normalement, je vais partir sur le skatepark. C'est plus simple pour moi. Et plus de pile dans la manette et tout. Et la première vidéo, une tannée. Oh. Elle marche, hein. C'est quoi, j'ai presque envie d'essayer de poser mon tel vite fait. Je vais t'en essayer à deux mains parce que c'est... Starfoula, quel pilote? Voilà, demain c'est 10 fois mieux, bordel. Elle est trop bien, franchement. À une main, mon gars, je suis... T'as une main, on dirait Arnaud qui conduit, quoi. Arniche, désolé. Ah, c'est une tannée, là, à une main. Allez. Quoi que c'est un défi, hein, qu'est-ce que je te dise. J'ai pas la maîtrise du gauche-droite à une main, en fait. Karma! Tout ce que je voulais pas. Écoute, hein. C'est un choc, hein, quand même, hein. À part le support de carreau hasardeux. Moi, ça gêne pas trop parce que bon. Ouf, il y a du frein. Je vais réduire ça parce que je vais flinguer. Alors, oui, le diff avant, c'est un diff de. D'un huitième. Que j'ai pu installer dedans. T'as pas fait un trou de 10. Oh, la carrosserie hasardeuse, c'est sale. Ça me fait chier. Allez, je la remets. Voilà. C'est le pin d'origine, hein, qui me fait chier, en fait. Hein. Je pensais pas que ça serait barré. Et je l'ai éteinte. Évidemment, on danse encore sur les plaisirs. Ah, il était beau celui-là. Oh non. Cette fun... cette fun... Cette chaîne est fun. Oh, du hard bashing. Oh fuck, hard bashing. Je te
te jure, j'ai l'impression d'être un débutant, une. Yes. Oh mon Dieu, ce bâche de vieux. Oh sale. Oh, le petit bruit et tout qui fait plaisir. J'arrive pas à freiner une main. C'est énorme. Tentative à une main, mais bon, accident probable. Oh, c'est énorme. Le bruit que ça fait, je sais pas si on l'entend à la caméra, mais. Ciao les crampons. Oula. Oh non! Et voilà! Il a déjà mangé le châssis, le sang. Il est usé! Oh là là! Ça y est, il est mort. Perdu 10 euros là. Ciao! Oh le bruit! Bon allez, on va regarder un petit peu comment ça va dans la voiture quand même. Quand j'ai touché, j'ai fait des sérieux, il y a zéro chauffe. Donc c'est que le moteur il est. Et tu vas fermer ta bouche. Hein. Non franchement elle est vraiment marrante. Dommage que ce petit support de carreau complètement merdique. D'origine, c'est de la merde. Écoute, elle a subi des petits crashs quand même, mine de rien, et elle s'est bien comportée. Hein. À part la vis, là, je vais mettre là le frein filet. T'inquiète, que ça a pu bouger. Et voilà, et c'est le biais de direction que j'ai monté. Ça, voilà, c'est le biais de Traxxas. Et à l'arrière, je le trouvais bien épaisse d'origine, alors j'ai laissé. Il n'y avait pas forcément de problème particulier. Voilà. Non, nickel, nickel. Dommage ça. Je suis monté au frein filet pourtant, mais j'ai pas dû en mettre assez. Voilà, ben j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Et puis, je vous dis à très bientôt. Allez, salut les gars.